excusez-nous pour le léger retard. Mildred est arrivée, je crois que Marie-Agnès va nous rejoindre. Peu importe, on va lancer les... Bien, je vais faire l'appel, si vous voulez bien. Madame Catherine Barbereau. Présente. Monsieur Claude Schaeffer a donné pouvoir à monsieur le maire. Madame Laurence Audibert. Présente. Monsieur Fabrice Bussy. Présente. Madame Marie-Agnès Descoux. Présente. Madame Fanny Billy. Présente. Lloyd Tran a donné pouvoir à madame Lemaitour. Sandrine Martins. Madame Isabelle Jodin, Madame Charlotte Lemaitour, Monsieur Jean-Marc Ciozac, Monsieur Patrick Michel, Madame Isabelle Dupré, Monsieur Christophe Lasserre, Monsieur William Netto de Jésus, Madame Brigitte Foulon a donné pouvoir à Madame Audibert, Madame Mildred Puissant, Monsieur Jean Bedu a donné pouvoir à Monsieur Guise. Monsieur Guise. Hervé Guise, Monsieur Arnaud Schmitt a donné pouvoir à Jean-Marc Longequeux, Madame Nathalie Bels, Monsieur Jean-Marc Longequeux, Madame Magali Boirf a donné pouvoir à Madame Bels, Madame Dominique Françoise a donné pouvoir à Monsieur Prudhomme, Monsieur Christophe Prudhomme, Monsieur Mapril Battista. Merci. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance par ordre. Je propose Madame Fanny Billy qui accepte. Nous l'en remercions. Nous allons passer avant les actualités à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 14 novembre 2023. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Guise. Oui, merci. Une remarque, page 5, c'est concernant plutôt une remarque de forme et non de fond. Ça est relatif au sujet, au point d'actualité que vous avez évoqué concernant la bibliothèque. Vous avez indiqué qu'un tableau des lectures publiques était disponible sur le site de la mairie, mais vous ne l'avez pas détaillé. Or, il est repris au PV. Donc, il n'a pas été cité. Oui, j'avais le tableau, mais je ne l'ai pas détaillé. Donc, c'est voilà, vrai que. Voilà, donc il n'a pas. Hein, c'est pour ça que c'est un truc de forme, mais il n'a pas été repris au PV. Okay. Page 6, l'adhésion au groupement d'intérêt public du département. J'ai souligné la plus-value des 115 offres de services et souhaité connaître le coût associé à cette adhésion en citant l'extrait de la convention. Je rappelle, le montant des contributions des membres est fixé chaque année par délibération du conseil d'administration. Vous avez alors interrompu le conseil municipal pour permettre à la directrice générale des services d'apporter des précisions, d'ailleurs précisions qui ont été dites, seront apportées ultérieurement. Mais du fait de cette interruption, les échanges ne sont pas repris au PV, ce qui est normal, mais du coup ça prive le lecteur de l'information. Donc je pense que pour les prochaines, dès qu'il y a eu des interruptions, j'ai la même remarque pour un peu plus tard, c'est de reprendre juste la synthèse, on ne va pas reprendre tous les échanges, mais de reprendre la synthèse pour qu'il soit porté au PV, et ainsi le lecteur, il a la totalité de l'échange. Voilà. Vous avez raison. Donc, et c'est la même demande pour la même remarque pour les lagages d'office abordés page 10, avec la question de la facturation d'une prestation des services municipaux. Madame la directrice générale des services a précisé que les coûts d'intervention sont bien définis et calqués sur le principe du régie. J'ai aussi sur ce sujet demandé qui est habilité pour officialiser une amende et quels sont les différents niveaux entre 38 euros et 3 000 euros comme il était cité. Et vous avez répondu que les adjoints sont tous habilités ainsi que les ASVP. C'était sans, je n'étais pas repris au PV. Voilà, moi je pense que c'est important de le mettre.
Et puis Pachaise, dernière remarque, sur le comité consultatif d'urbanisme, j'avais demandé si la date d'un prochain CCU était connue, et vous avez répondu que non, cet échange n'est pas repris au PV. C'est tout pour nous. C'est bien noté. Y a-t-il d'autres remarques ? Merci. Donc, je vais passer à l'approbation du conseil du PV du conseil municipal du 14 novembre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Avant de passer aux actualités, je vais vous faire lecture d'un mail que nous a adressé Claude Schaeffer. Je pense que c'est important. Donc Claude nous a envoyé la lettre, le petit mail suivant. Chers collègues, je vous prie de m'excuser de ma nouvelle absence au conseil municipal. Je tiens à vous faire part de la raison pour laquelle je suis absent. Au mois de juillet, j'ai déclaré une récidive de cancer. Je suis actuellement en chimiothérapie. Comme vous devez le savoir, la grande forme n'est pas tous les jours au rendez-vous. Ma fonction d'adjoint aux travaux et aux infrastructures est assurée en télétravail, les réunions et les commissions en visio, en présentiel quand cela est possible. Sinon, je suis représenté par mes binômes adjoints, conseillers, DGS et DST, que je tiens à remercier particulièrement. Je suis impatient de revenir parmi vous dans cette attente et je vous souhaite un bon conseil, amitié. Donc voilà le message de Claude. On en profite évidemment pour vous souhaiter le prompt rétablissement et la meilleure santé possible. Voilà. Merci de votre attention. Je vais passer aux actualités, si vous le voulez bien, puis on passera à l'ordre du jour. Donc, mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils et à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 14 novembre 2023. Excusez-moi. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire, l'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par des questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. Réunion de quartier, il y a une réunion de quartier Gare Coteau qui s'est tenue le 2 décembre en salle Simon Arnaud à partir de 10h, de 10h jusqu'à midi et demi à peu près. Donc les Pomponnais avaient répondu d'ailleurs nombreux à la consultation au préalable votre avis compte numéro 5. Oui, à peu près 150 personnes. Alors c'était évidemment intéressant non seulement sur le nombre de réponses, mais aussi pour les suggestions et les remarques qui étaient permises d'y inscrire. Ils se sont logiquement déplacés, il y avait environ entre 40 et 50 personnes qui sont venues ce samedi matin. Et donc nous avons pris note des remarques et échanges et nous allons continuer de travailler sur les questions soulevées, notamment les circulations automobiles et piétonnes. Donc encore une fois, je remercie tous les Pomponnais qui se sont déplacés. C'était très, très intéressant et très instructif. Le Noël des enfants. Donc cette année, il y avait deux dates qui étaient proposées pour le Noël des enfants, afin de ne refuser aucun enfant et de permettre la venue de nombre d'enfants. La première date, c'est le mercredi 6 décembre. Il y a eu 75 enfants de la LSH, plus 69 externes qui étaient inscrits. Alors, il y a 16 qui ne sont pas venus et 6 sont venus sans être inscrits. Donc, il y avait de la place, donc ils ont été acceptés. Donc, ce mercredi 6, il y avait 134 enfants. Et le dimanche 10 décembre, il y a eu 112 enfants inscrits, 17 qui ne sont pas venus, 6 sont venus aussi sans être inscrits, le même nombre. Et il y avait les 12 résidents du FAM qui étaient inscrits, mais qui sont pas venus. Donc dimanche, il y avait 101 enfants. Donc le calcul est facile. En fait, le nombre total d'enfants sur les deux dates, 235 enfants. Pour mémoire, il y avait 187 enfants qui avaient participé en 2022 à ce Noël des enfants, donc c'est plutôt bien. J'en profite pour remercier effectivement les agents et aussi les élus qui ont accompagné et encadré les enfants lors de ces deux dates. Et bien sûr le comité des fêtes, mais je ferai un satisfecit à la fin parce que sinon on va être payé au nombre de fois qu'on dit comité des fêtes dans les remerciements. Ça va gréver le budget. Coût total de ces deux spectacles plus les goûters pour les deux opérations, donc cumulé, 2 813 euros 10 centimes. Pardon. Le Noël des aînés, donc c'était un repas spectacle
qui était organisé avec Pascal Mélody et Alexandre Traiteur. Donc on a eu de très bons retours, y compris par mail. Les gens étaient très, très satisfaits par, partout, hein, notamment le filet de veau servi chaud. Hein, c'était fort appréciable. Et fondant. Merci Madame Audibert. 93 aînés inscrits pour le repas. 5 ne sont pas venus, donc on, voilà. Pour mémoire, 84 personnes étaient venues en 2022. Voilà, donc 93 moins 5, 88. Traiteur pour la mairie, le coût total du traiteur, 4941. Le spectacle en lui-même a coûté 4260. Alors vous savez, pour les personnes qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas se déplacer, il y avait aussi la possibilité de demander des chocolats. Donc 205 aînés ont demandé les chocolats. Et donc le coût total pour les chocolats pour la mairie, c'est 2242,50 €. Et d'ailleurs, nous en ferons la distribution prochainement. On verra comment on s'organise. Donc le coût total du Noël des aînés est de 11 443,50 €. Donc encore une fois, merci à tous les élus qui ont pu accompagner lors de ce Noël des aînés qui était fort apprécié. Merci aux agents et puis merci pour l'ambiance et pour l'expertise technique au comité des fêtes qui encore aujourd'hui nous fait le plaisir de faire la captation du conseil municipal de ce soir. Pour ce qui reste à venir, nous avons le marché de Noël donc, qui aura lieu sur 3 jours, donc à partir de vendredi prochain. Donc les horaires sont sur le site et vous les avez également sur les affiches à la fois en mairie et puis en ville. Inauguration vendredi prochain le 15 décembre à 18h. Donc tout le monde est convié bien sûr, hein. Tous les pomponnais sont conviés, il y aura une petite illumination et puis je crois qu'il y aura des danses par une association de danse pomponnaise. Donc voilà, 3 jours. 3 jours avec 2 dates avec des nocturnes, donc ça finit à 21h30 je crois, donc c'est très appréciable aussi. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir à ce marché de Noël de Pomponne, qui est différent de celui de Marne-et-Gondoire, mais il n'est pas concurrent, c'est complémentaire. Bien sûr, l'offre est différente et très locale. Voilà pour le marché de Noël, donc à partir du 15 décembre, sur 3 jours. Jusqu'au 19 décembre, l'opération des boîtes de Noël solidaires en partenariat avec le Secours Populaire, est toujours d'actualité, donc je vous invite à aller regarder les informations sur le site internet ou je crois sur Facebook aussi, l'information y est. Toujours sur Noël, la boîte aux lettres du Père Noël aussi est déposée devant l'école, donc invitez vos enfants à y déposer leurs lettres, leurs souhaits pour Noël, voilà, devant l'école. Tout à fait différemment, les travaux du département, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du dernier conseil municipal, j'avais donné l'information que le département nous avait donné que le travail sur le Merlon à l'entrée de à la Renaissance allait commencer à partir du 4 décembre pour 2 jours. Il y a eu d'ailleurs une communication qui nous avait été fournie par le département. Finalement, après concertation avec le département, on a demandé à ce que les travaux soient complètement décalés parce que il y avait une impréparation, y compris, et puis il fallait aussi que la ville de Vert et la ville de Torcy acceptent les travaux, ce qui était possible dans un premier temps le 4 et qui n'était plus possible après, tout en sachant qu'en plus ces travaux sont soumis aux intempéries. Donc, ce que je peux vous donner comme information, c'est que les travaux sur ce périmètre sont décalés plutôt au début de l'année prochaine, à cause notamment du désaccord entre les villes de Brou et de Vert, sur lesquelles il y avait d'autres travaux, donc ça déportait sur des voies sur lesquelles il y avait des travaux. On a eu un entretien avec le département, on a quand même fait part de notre demande peut-être de faire des travaux de nuit qui seront beaucoup moins impactants pour l'ensemble des administrés, et je vous transmets notamment les excuses du département pour ce faux départ. Voilà pour les actualités, je vous remercie, nous allons passer à l'ordre du jour. Avec en point 1 l'approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Donc, comme vous avez dû peut-être le voir si vous avez suivi notamment le conseil communautaire du 16 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire a transmis ses statuts avec des adjonctions en termes de compétences.
Donc elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 catégories, avec notamment en ce qui concerne la santé, la création mais aussi la gestion des maisons de santé pluridisciplinaires et ou de pôles médicaux. En ce qui concerne la lecture publique, la gestion du service public assuré par les bibliothèques et mise en réseau des équipes, jusqu'à présent il s'agissait d'un service commun et suite à l'adhésion de Bussy-Saint-Georges, cela devient une compétence. Troisième point, création, extension et gestion de crématoriums et de sites cinéraires. Également la participation aux actions intercommunales en faveur de l'emploi, dont les missions locales, puisqu'on sait que Marne-et-Gondoire agit beaucoup au niveau de la mission locale. Subvention aux associations et clubs utilisant un centre aquatique intercommunal. Donc ça, on l'a bien compris, c'est surtout lié au centre aquatique. En ce qui concerne les énergies renouvelables, donc c'est la loi qui a imposé les intercos également à réaliser et mettre en œuvre un schéma directeur des énergies renouvelables et de récupération. On en parlera tout à l'heure avec Laurence Audibert. C'est un sujet d'une délibération, avec à la fois conseiller, accompagner, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter des installations de production d'électricité. Et enfin, en ce qui concerne les économies d'énergie, avoir la compétence de conseil. Voilà. Donc aujourd'hui, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la modification des statuts de la communauté d'agglomération dans les 3 mois à compter de cette notification. Vu qu'effectivement, il y a eu un avis favorable unanime du conseil communautaire du 16 octobre 2023. Y a-t-il des questions ? Je vous remercie. Donc, je vous propose d'approuver. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 2, je passe la parole à Madame Marie-Agnès Descou. Comme ça. Donc, rapport annuel d'activité du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, le CPRH, pour l'année 2022. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités locales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être entendus. La commune de Pomponne est adhérente au syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, le SICPRH, qui a pour mission la création et la gestion des centres pour handicapés diversifiés pour répondre aux problèmes posés par la réadaptation et l'intégration des enfants et adultes handicapés. Le syndicat représente 33 communes, ce qui représente 299 548 habitants, et comprend 68 élus délégués. Les communes ont cotisé à hauteur de 1,35 € par habitant contre 1,45 € habitant en 2022, 1,75 € habitant en 2021 et 1,95 € par habitant en 2020. La baisse de la cotisation de moins de 30% sur 2 ans est un engagement du SICPRH et doit se poursuivre l'année prochaine. Pour information, Pomponne a versé une cotisation de 7 829,25 € en 2018 pour 4015 habitants, 7 815,60 € en 2019 pour 4008 habitants, 7 938,45 € en 2020 pour 4071 habitants. 7 166,25 € en 2021 pour 4095 habitants, 6 047,95 € en 2022 pour 4171 habitants et 5 736,15 € en 2023 pour 4249 habitants. Vous avez dû avoir le rapport d'activité qui a été joint en dématérialisé.
Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, le CPRH, conformément à l'article 52.11-39 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions ? Oui ? Merci. Une remarque tout d'abord sur le document qui a été transmis concernant notamment le compte-rendu du syndicat du 5 juillet 2023 pour l'approbation de ce rapport. Moi, j'ai noté quand même qu'il y avait 68 délégués dans le syndicat, mais qu'il y en avait 35 seulement de présents ce jour-là, et donc 33 absents. Alors, ça m'a un peu fait penser aussi au bouger des statuts du CITREM, où en été, il n'y avait même pas la moitié des gens régulièrement présents en moyenne aux réunions. Là, je me suis fait la même réflexion en disant que le bilan, un rapport d'activité 2022, c'est quand même la synthèse de ce qu'on a fait. Et je pense que ça aurait pu intéresser un peu plus de monde que la moitié seulement des délégués. Voilà, ça c'est une remarque, mais après, facile de le dire, c'est peut-être pas toujours simple pour les délégués de se libérer. Moi j'ai une question, enfin j'ai plusieurs questions. Quand ce rapport a été présenté en commission Action sociale et scolaire ? Il passe jamais sur la commission sociale. Donc il n'est pas présenté ? Non, il n'est pas présenté et on le reçoit très tardivement, hein, de toute façon. D'accord. Voilà. Et alors du coup, parce que c'est bien, mais moi je voudrais avoir quel est votre avis, quel est votre regard sur ce bilan ? Parce qu'on a un document de 27 pages, il n'y a pas de synthèse sur les actions réalisées, sur un limite le regard sur le bilan financier 2022, voilà, les grosses actions, les déceptions, les satisfactions. Donc je serais curieux d'avoir le regard, votre regard sur ce sujet. Alors, mon regard est également celui de ma déléguée, Madame Jodin, c'est qu'ils font beaucoup quand même hein, pour ces personnes. Ils viennent d'ouvrir aussi un centre à Bussy-Saint-Georges pour les enfants autistes, hein, et les enfants et un peu plus âgés. Ils interviennent dans beaucoup de domaines. Pardon, c'est sur l'année 2022. C'est aussi dans l'année 2022 puisque ça s'est amélioré. Ils améliorent les appartements, ils améliorent tous leurs services liés aux personnes handicapées. En règle générale, ils font quand même un travail assez important. Voilà. Après, il y a, vous avez le rapport et je pense. Non, mais on a le rapport, il fait 27 pages. Oui. Donc, je veux dire, on peut lire les 27 pages. Ça aurait été intéressant d'avoir plutôt. Là, il y a le rappel de tout le cadre et l'historique des cotisations depuis 2018. Honnêtement, ce n'est pas l'objet du rapport 2022. Ça aurait été intéressant d'avoir une synthèse, de marquer les points forts de réalisation 2022, à limite les déceptions, puis de faire un petit zoom. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Écoutez, ouais. on va en tenir compte et on vous fera une petite note de synthèse pour la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Il n'y a pas de délibération, c'est juste on prend. Oui, voilà. Oui, mais je prends note et je vous enverrai ce rapport de synthèse. On en fera restitution d'une synthèse lors d'une prochaine commission sociale. Oui, bien sûr. Donc, je vous propose de... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc, je passe au vote. Donc, après en avoir libéré, on prend juste, il n'y a pas de vote, je crois, on prend acte du rapport annuel d'activité du syndicat et de la pédagogie et de la réadaptation pour handicapés pour l'exercice 2022 et dit que le rapport sera remis à disposition du public dans 15 jours qui suivent leur présentation au conseil municipal et que le public est avisé par le maire de cette mise à disposition. Sabot est une prise d'acte, je crois qu'on vote quand même. Donc, qui est contre, qui s'abstient à cette prise d'acte. Merci. Point numéro 3, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, vous vous souvenez, on l'avait mis au précédent
à l'ordre du jour du précédent conseil municipal et on l'avait retiré pour que justement vous puissiez les uns et les autres faire des remarques, ce qui a été fait je crois par le groupe Pomponne un nouvel élan. Les modifications du règlement intérieur du conseil municipal, elles sont de plusieurs ordres. Donc il a été adopté, oui, je vais faire un petit peu d'historique, a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2020 et modifié le 22 février 2021, le 2 avril 2021, 17 février 2022. Aujourd'hui, il est question de mettre le dit règlement à niveau, notamment concernant trois points, la rédaction et la teneur des textes réglementaires repris dans le dit règlement, l'ajout des modalités de fonctionnement, notamment du comité consultatif d'urbanisme et des commissions obligatoires, le CCID, et également l'adoption de la dématérialisation comme mode de convocation par défaut. Alors on a fait un test, hein, c'était que à titre de test pour cette séance, effectivement, sachant que de toute façon, les convocations et les documents vous sont parvenus par pli postal pour certains. Donc ce document a été soumis à votre examen et remarque début novembre, et donc il est demandé au conseil municipal d'adopter ce nouveau règlement intérieur du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Guise. Oui, merci. Donc nous avons constaté effectivement que la grande majorité des remarques qu'on avait formulées ont été prises en compte, donc il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas trop de débat. Il y a quand même deux questions enfin, qui restent, enfin, des questions sur des petits points de détail. Après, j'aurai deux sujets qui sont un peu plus des sujets de fond. La première, c'est concernant l'enregistrement des conseils municipaux, l'article 10. Hein, donc on dit en cas d'enregistrement et ou de diffusion, la qualité de l'enregistrement doit permettre une bonne compréhension des personnes par les personnes qui visualisent la vidéo. Ce qui est vrai. Bah si, parce que s'il y a une vidéo qu'on ne comprend rien, du coup c'est pas tellement intéressant. Et moi, on avait proposé qu'une vérification dès le début de séance permette de s'en assurer. Alors ça, on n'a pas besoin de le mettre, mais je pense que c'est important parce que c'est vrai que quand on démarre certains conseils, des fois on reçoit des messages, on n'entend pas le son, il n'y a pas de son. Voilà. Donc pour éviter d'avoir une partie de conseil qui est tronquée, ça peut arriver, un sujet technique, ben voilà, on s'assure que tout se passe bien et il n'y a pas de problème. Puis alors après, l'article 19, moi j'ai une question de compréhension. La formulation, c'est « Les questions soumises en commission sont prioritairement des questions qui font l'objet de délibérations au conseil ». Alors ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris le sens de cette formulation. Hein, c'est pour ça que je l'avais mis en remarque, je n'avais pas fait de proposition, parce que les questions, enfin, il manquait l'objet, je crois. Donc, c'est les questions soumises en commission sont prioritairement des questions qui feront l'objet de délibérations au conseil. Alors, ça n'a pas fait l'objet de modifications, je crois, notamment ces points-là, je ne crois pas. Mais. Ça veut simplement dire qu'effectivement, lorsqu'il y a, alors c'est peut-être dans l'autre sens qu'il faut le comprendre, lorsqu'il y a des points à passer en conseil municipal qui nécessitent de recueillir un avis de la commission, ce sont des points qui sont prioritaires dans l'ordre du jour des commissions ad hoc. C'est le rôle en fait fondamental des commissions, c'est de préparer justement la décision, de préparer pour Monsieur le maire les décisions de présentation des délibérations et que ça puisse être délibéré en conseil. Et, je pense qu'au niveau de nos commissions, enfin, la manière dont on mène les commissions à Pomponne, c'est beaucoup plus large, c'est volontairement plus large pour avoir plus d'échanges, plus d'informations et de débats que simplement les délibérations qui pourront se faire jour de manière très très ciblée en quelque sorte. Donc c'est le sens de ça. Ça n'a pas été modifié effectivement. Bon, si c'est le sens. Il y avait quelque chose qui n'était pas. Il y avait un mot qui n'était pas. Parce que si je l'ai lu, c'était. J'avais fait une proposition. Il manquait un mot. Donc je pense qu'il devait être en bleu quand même sur le sujet. Bon. Enfin, ok, je comprends que c'est l'inverse. En fait, s'il n'y avait pas prioritairement, ça voudrait dire qu'on ne peut pas débattre d'autre chose
en commission. Ouais, ouais. Alors après, des fois, on conseille, des fois, on fait la remarque, des fois, il y a des sujets qu'on débat qui n'ont pas forcément été débattus en commission. Hein? Et du coup, on a des débats en conseil qu'on aurait pu éviter parce qu'on les aurait eu en amont en commission. Après, là, j'ai une question, enfin, j'ai deux questions, et celle-là est plus importante. Je vous en avais fait la remarque, d'ailleurs, quand j'ai communiqué. Quand j'ai lu le projet, c'était très bien. Il y avait en rouge ce qui était enlevé et en bleu ce qui était ajouté. Mmh. Et le noir ne bougeait pas. Et en lisant le projet de règlement, je me suis aperçu que la charte de l'élu local avait été modifiée sur deux de ces points. J'étais surtout qu'en plus, les changements n'étaient pas repérés. Donc c'était comme si on n'avait rien changé. Donc je vous l'ai mis, et donc ces changements n'étaient pas anodins en plus, c'est pas une virgule qui à un moment donné a été changée. Alors j'ai eu la réponse de madame la directrice générale des services, hein. S'agissant de la charte de l'élu local, il n'y avait aucune raison qu'elle soit modifiée, donc je n'étais pas revenu dessus, j'entends, et donc merci de l'avoir vu, je rectifie le projet. Mais alors du coup ma question, mais qui a modifié la charte de l'élu? C'est la charte de l'élu dans le règlement intérieur, c'est quelque chose qui est encadré par un article du Code général des collectivités territoriales. Tout le monde n'a quand même pas accès au règlement intérieur et peut le changer comme il a envie. Enfin, je sais pas. Ça pose question. Hein. Alors, ça pose question parce que c'était peut-être justement un document de travail. On a que des pistes. La remarque, elle est fondée. De toute façon, c'est comme si on modifiait une loi. On ne peut pas modifier une loi, on est bien d'accord. Est-ce que ça faisait partie d'une version qui du coup est revenue dans la boucle, ce qui explique que du coup c'était pas une version corrigée? Ça, je vous avoue que j'ai pas la trace exactement, mais par contre vous avez totalement raison, enfin c'est du copier-coller, ça doit pas bouger, on est bien d'accord. Bon, je sais plus quelles étaient les modifications, mais de toute façon elles ont pas lieu d'être, peu importe. En tout cas, moi ça m'a interpellé parce que c'était un peu par hasard, hein. J'ai pas relu tout ce qui était en noir sur des trucs, j'ai pas relu tout, hein. Mais bon. Et puis alors l'autre question, un peu plus aussi, un peu générale, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas le règlement intérieur? C'est quoi la conséquence? Madame Audibert, une fessée, c'est ça? Je pose la question à madame la directrice des services en suspendant la séance et je ferai une conclusion. Techniquement, le président de séance est garant de la police de l'Assemblée, donc il doit faire respecter le règlement. Il est précisé dans les textes que si on manque au règlement en cours de séance, le contrevenant peut être expulsé de la séance. En dehors de ça, il n'y a rien de précisé. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien de précisé. Donc le seul cas qui est prévu, c'est effectivement le trouble à l'ordre public lors d'un déroulement d'un conseil. Quoi. C'est la seule chose. Le reste, si on ne respecte pas, on a pris des engagements. Enfin, il y a des engagements qui sont pris dans le règlement intérieur, sur des délais, sur des choses comme ça. Si ce n'est pas respecté, il n'y a pas... Je rouvre, parce que du coup, le débat... Ce que résume madame la directrice des services, c'est qu'effectivement, ça c'est pendant les débats. Après, sur le non-respect des délais, comme il y a un règlement, par exemple, n'importe quel conseiller municipal peut se retourner vers les services de la préfecture en disant qu'effectivement, le règlement n'a pas été respecté sur tel et tel point. Pour reprendre l'expression de madame Audibert, de Laurent, c'est les services de la préfecture qui viennent donner une fessée? Qui peuvent considérer que, je ne sais pas, par exemple, si les délais ne sont pas respectés, ils peuvent peut-être faire en sorte que le délai de prise en compte des documents n'ont pas été, et qui nécessiterait de refaire un conseil municipal. Je crois que c'est déjà arrivé, du reste. Avec les calculs de délai franc, etc. Ça sert un peu... Ça, non, mais un règlement, je ne discute pas le bien fondé d'un règlement intérieur, hein. Surtout que le précédent, on l'a voté, celui-là, on va le voter, donc il n'y a pas de sujet. S'il y a des sujets, voilà, on les aborde. Mais je trouve que, quelles que soient les parties, celui qui ne respecte pas ce règlement, à part un trouble à l'ordre public pendant une séance du conseil municipal, perçoit qu'il n'y a rien. Enfin, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà, il n'y a rien. Ah, sur les délais, si, ça, ça,
Le non-respect des délais peut... Sur le non-respect des délais, le non-respect de la charte de l'élu local, nous avons saisi la préfecture et la réponse de la préfecture, c'est on ne peut rien faire. Ah oui, voilà. Donc, je veux dire, c'est un exemple, voilà. Nous, on tient et on respecte parce que si on le vote, c'est qu'il y a un respect par rapport à ce document. Mais c'est vrai d'entendre, lorsque c'est factualisé, porté à connaissance de la préfecture et d'avoir la réponse, on ne peut rien faire. Voilà. Alors, j'entends. D'accord. Bien, écoutez, je vous propose qu'il y ait d'autres questions. Bien, écoutez, après en avoir délibéré, je vous propose que nous adoptions le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Pomponne, tel qu'il a été annexé à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Barbereau. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, sur la délibération numéro 4, donc, qui concerne l'autorisation donnée pour engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement en 2024 avant le vote du budget primitif, hein, pour des questions à la fois de simplification, mais de faisabilité, effectivement, de traitement des dernières opérations et des premières opérations de 2024. Donc, l'article L1612-1-1 du Code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif, en l'absence d'adoption du budget de la collectivité territoriale, ce qui est donc le cas puisqu'on va voter ça en début d'année, et sur autorisation de l'organe délibérant, d'inscrire des sommes en investissement. Ces dispositions donnent la possibilité d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, bien sûr, avant le vote du budget primitif, qui devrait avoir lieu en mars, si je ne me trompe pas, dans la limite du quart, donc de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc vous avez dans la délibération les autorisations qui sont proposées donc, par rapport aux inscriptions au budget qui donnent autorisation de traiter les opérations pour, si je reprends la ligne totale générale, donc de 25% de, on va dire, à peu près 4 millions d'euros, donc ce qui fait 993 596,48 €. Donc vous êtes invité à donner votre autorisation pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement décrites ci-dessus, donc pour 2024, avant le vote du budget primitif, ce qui nous permettra de passer les opérations comptables sur le premier trimestre par rapport au budget. Y a-t-il des questions ? Donc, vu donc la loi 213 du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que les textes subséquents, vu le Code général des collectivités territoriales et son article 1612-1, modifié par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37, et considérant la possibilité, en l'absence d'adoption du budget primitif avant le 1er janvier 2024, d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et considérant la nécessité de poursuivre les opérations d'investissement engagées sur l'exercice précédent, donc 2023, avant le vote du budget primitif, entendu l'exposé de Mme Barbereau, etc., le Conseil municipal donc autorise l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement suivantes en 2024, donc qui figurent au tableau que vous avez dans la délibération, avant le budget primitif. Et je précise que toutes ces dépenses seront inscrites, bien sûr, au budget primitif 2024. Y a-t-il des... Tout le monde est OK, pas de souci. Je vais donc poursuivre sur la délibération numéro 5. Là aussi, toujours des opérations plutôt de fin d'année sur les admissions en non-valeur et sur les créances éteintes. Donc, le 2 novembre 2023, la trésorerie de Chelles, hein, donc qui nous impose aussi un certain nombre d'opérations, a présenté un état des créances irrécouvrables à admettre en non-valeur ou à enregistrer comme créance éteinte. Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires, le recouvrement des créances relève bien de la compétence du comptable public. Donc nous avons peu de marge là-dessus, puisque c'est le comptable public qui effectue toutes les opérations de recouvrement.
Donc, ce comptable doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin. Quelques précisions donc sur les sommes admises en non-valeur qui seront imputées en dépenses à un article de nature 65-41 intitulé « Créances admises en non-valeur sur le budget concerné ». Les dispositions prises à cet égard ont uniquement pour objet de faire provisoirement disparaître de l'actif de la collectivité les créances jugées absolument irrécouvrables en ce moment, mais qui n'éteignent pas, attention, contrairement aux créances éteintes, pour autant la dette du redevable. En effet, les services de l'État continuent l'exécution des procédures permettant éventuellement la récupération des sommes en cause. Nous a été présentée une somme de 464,84 pour raison de poursuite sans effet sur laquelle je vais revenir. Nous vous demandons de rejeter la demande puisqu'on doit pouvoir récupérer encore quelques sommes. Les créances éteintes, par contre, donc, seront imputées en dépenses à un article de nature 65-42 intitulé « Créances éteintes » sur le budget concerné. Contrairement à l'admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées. Donc, on arrête toute poursuite vis-à-vis des redevables. Pour deux cas bien précis, un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs dans le cadre d'une procédure collective et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à une procédure de surendettement. Et donc, vous avez dans le tableau qui suit effectivement le détail de créances éteintes, donc pour motif de surendettement et décision d'effacement de dette pour un débiteur unique pour une somme de 2555,50 €. Il faut noter que les titres émis en 2021, ci après présentés à l'extinction de créances, ont déjà été présentés lors de la clôture de l'exercice 22 pour provisionnement au titre des créances douteuses. Ainsi, par la délibération 2022-60 du 8 décembre 2022, le Conseil a validé une provision qui aujourd'hui doit être reprise, bien évidemment, pour compenser partiellement les créances éteintes de l'exercice 2023, et ce pour une somme de 917,80 €. Il est donc proposé au Conseil de ne rien admettre en non-valeur et d'enregistrer comme créance éteinte les titres émis sur le budget principal pour un montant de 2555,50 €. Donc, je ne vais pas forcément relire tout. Donc, on vous demande de statuer sur la qualification de créance éteinte des titres de recettes dont la liste est annexée à la présente délibération pour les montants que je viens d'indiquer. Et de reprendre sur provision pour créances douteuses la somme de 917,80 € correspondant au titre émis en 2021 identifié comme créance douteuse et qualifié par la présente de créance éteinte. Voilà, ces crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours de la commune. Les autres titres présentés par le comptable principal sont maintenus. Il y a un vote. Donc, sur ces propositions, qui est contre. Des questions d'abord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je poursuis. Donc sur des opérations bien sûr comptables de dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 2023. Donc c'est une obligation réglementaire. Donc le contexte, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation, conformément à l'article L2321-23 du CGCT. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, c'est le principe des provisions, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments communiqués par le comptable public. Les reprises sur provision permettent d'atténuer la charge sur l'exercice des dotations aux provisions, des nouvelles créances douteuses et d'en diminuer l'impact, voire de les neutraliser sur le résultat de l'exercice. Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d'être irrécouvrables et sur proposition du comptable public, on insiste bien là-dessus,
Il est défini le montant de la provision, donc qui s'élève à 2 830 €. C'est vraiment un calcul assez sophistiqué, ce qu'on m'a expliqué, de l'ATP sur, pour calculer justement ce montant. Il est donc proposé au Conseil municipal de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants sur le budget principal. Donc les actifs circulants, pour rappel, hein, donc c'est simplement ce qui, pour simplifier, qui donne droit à des titres de recettes, ou comme par exemple le service de cantine, hein, donc où là effectivement on peut avoir des non-paiements ou des créances qui n'arrivent pas en fin d'année, des paiements qui n'arrivent pas en fin d'année. Donc je vais vous demander donc de délibérer pour constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants au compte 6817 pour un montant de 2 830 €. Et d'autoriser une reprise de provision pour dépréciation des actifs circulants au compte 78-17 sur les exercices à venir pour le même montant. Avez-vous des questions ? Question de forme, alors, je ne sais pas trop bien comment c'est calculé ce 2830, alors, peut-être que toi non plus d'ailleurs, mais. Parce qu'autant avant, on comprend la logique sur les questions précédentes, autant là. Il y a sûrement une raison. On va demander à la voilà. On suspend la séance pour que Madame la DGS puisse nous apporter ses éclaircissements. Et vous remercie de sa question. Je remercie, mais je vais essayer de répondre. C'est un calcul très alambiqué. En fait, le comptable prend l'intégralité des dettes qui restent à recouvrer sur les exercices précédents sur les 4 ou 5 dernières années. Il fait un état des lieux à date quasi fixe, donc entre fin octobre et début novembre, sur ce qu'il a réussi à recouvrer par rapport au même état l'année d'avant. Il estime ce qu'il arrive à récupérer et à partir de ça, il nous fait un pourcentage des créances restantes à recouvrer et il nous dit attention, voilà, au vu de ce qui se passe sur votre commune, vous avez un risque de tant de pourcents de ne pas recouvrer la créance. Et donc, tous les ans, il nous fait provisionner pour qu'au moment où ça passe en créance, en admission en non-valeur ou en créance éteinte, on puisse récupérer la provision et que ça ne pèse pas sur le budget. Voilà, je résume grosso modo, il y a une moyenne qui est faite et puis il y a un savant calcul. Et puis, selon les... C'est une affectation d'un pourcentage de risque. Je rouvre la séance. C'est bon. On a voté ? Non, on n'a pas voté. Donc voilà, c'est du coup. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Je continue. Donc sur la délibération numéro 7 pour la garantie d'emprunt accordée à Antin Résidence, SA d'HLM, pour le financement en plus, PLUS, US, PLAI, PLS, LLI, voilà, tous les types de logements, voilà, qui peuvent être sociaux. Pour l'acquisition de 51 logements situés donc 1 Terre et 3 rue de la Gare, c'est pour une modification. En fait, par délibération donc du 8 décembre 2022, nous avions accepté de garantir les prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par Antin Résidence, donc le groupe Arcade 59 rue de Provence à Paris, visant à financer la construction de 51 logements, dont 20 logements locatifs intermédiaires, donc LLI, 31 logements sociaux ainsi qu'un local d'activité situé rue de la Gare et la proposition de prêt référencée U09-2775. Il se trouve que par courriel donc du 19 juillet dernier, le représentant d'Antin Résidence nous a communiqué le contrat de prêt amendé à la baisse pour ajustement de l'engagement de garantie d'emprunt et par délibération du 21 septembre dernier, nous avions modifié la garantie suivant le nouveau contrat. La Caisse des dépôts et consignations donc, nous demande donc, par courriel du 30 octobre d'utiliser leur modèle de délibération simplifié, semble-t-il, et d'y annexer le contrat de prêt. Donc, en fait, on ne garantit pas plus, on a la même décision à prendre, simplement, il faut que ça passe en délibération sur la forme, puisqu'il nous oblige. Oui, non, mais déjà, on avait statué sur le fait de garantir moins, ce qui était une bonne chose, on en est ravis. C'est quand même important. Là, c'est simplement une histoire de forme.
qui nous oblige, hein, la Caisse des dépôts, on n'a pas trop le choix, donc à délibérer pour, suivant les articles 1 et 2 et 3, pardon, que je vais vous lire. Donc, il nous faut valider la nouvelle forme de la délibération à transmettre à la Caisse des dépôts et consignations sans qu'aucune modification ne soit apportée sur le fond à la garantie. C'est juste une note de la forme. Donc, l'article 1, je vais le relire pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Vous l'avez déjà lu. L'Assemblée délibérante de commune de Pomponne accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 7 781 345 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 148-898 constitué des 9 lignes du prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale donc, que je viens de citer, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie est apportée aux conditions suivantes. Elle est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci, porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Juste un petit rappel, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas dans l'article, bien évidemment, c'est que ces garanties-là nous engagent sur du très long terme, bien évidemment, compte tenu des sommes. Sur notification de l'impayé par lettre commandée de la Caisse des dépôts et des consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour non-paiement, renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Donc, article 3, le Conseil s'engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Y a-t-il des questions ? La Caisse des dépôts, ils ne vont pas nous dire qu'il manque une virgule pour redélibérer une virgule. C'était une boutade. Hein. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Voilà. Garantir. Et, voilà, il suffit qu'ils changent leurs imprimés pour. Je voulais juste savoir, sur les taux, on est resté exactement pareil, ce qu'on avait délibéré en 2022. On ne change pas le. On change pas la dernière délibération. C'est celle de. On a modifié. Du 21 septembre 2023, la délibération qu'on a menée, c'est la même, il n'y a pas de souci. Donc la baisse du montant garanti. Mais juste le montant qui baisse. Donc ça, il n'y a pas eu de. Là, c'est vraiment que de la forme, mais on est obligé de repasser par une délibération qui ne leur convenait pas. Une petite précision. Qu'y a-t-il de prévu pour le local ? C'est pas vraiment dans la délibération. J'en profite. C'est pas encore. Non. Il y a travaillé lors de la dernière commission urbanisme. Les choix ne sont pas encore arrêtés. Il y a plusieurs options. Voilà. Oui, affirmatif. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, je vais poursuivre sur la délibération numéro 8, donc avec un sujet un petit peu différent, donc qui est une modification du tableau des effectifs pour la création de postes. Donc là aussi, ce sont plutôt toujours des opérations voilà, où il faut créer les postes. Après, il faut que le comité se réunisse pour éventuellement supprimer les postes. On est dans la même logique que vous connaissez bien. Donc là, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il nous appartient donc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. Donc, afin de pouvoir les emplois de chargé d'urbanisme et responsable du service état civil affaires générales de la commune, prochainement vacant suite à la mutation des agents en place, des deux personnes en place, il est nécessaire de créer deux postes pour les candidats retenus qui ne relèvent pas du même grade que les agents sortants. Donc là, il s'agit, pareil, d'une opération assez classique.
Donc la suppression des postes, je le disais à l'instant, actuellement pourvus sera présentée à une séance ultérieure de manière à ce qu'on cale le plus vite possible à la réelle structure et au réel grade des agents en place. Donc il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif territorial et un poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe à partir du 1er janvier 2024 pour remplacer, si je ne fais pas d'erreur, Abigail me dira, un adjoint principal deuxième classe et un adjoint principal première classe sur lesquels il n'y a pas de... Il y aura un recouvrement, donc on ne peut pas matcher, voilà, on peut faire juste une jonction, on est obligé de créer pour enlever après, enfin voilà, c'est une opération un petit peu... Voilà. Des questions, Jean-Marc ? Oui, alors je suppose que si on délibère ce soir, c'est qu'on a déjà trouvé des personnes qui vont occuper ces postes, puisque ce n'est pas les mêmes grades. Donc sinon, on n'aurait pas été obligé de supprimer les postes et d'en créer d'autres. C'est ça ? Tout à fait. Il y a déjà une personne en poste, à l'urbanisme, qui est en recouvrement, justement, avec la personne qui part, qui est mutée. Voilà, et puis l'autre qui devrait arriver en début d'année. Juste au moment du départ, où là, il n'y aura pas de tuilage. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y aura pas de tuilage, mais voilà, on s'arrangera pour que tout soit bien huilé. Sans trahir de secret, parce que moi, je l'ai vu cet après-midi, c'est la personne à l'urbanisme qui est déjà là. Et là où il y aura un départ et après une arrivée, c'est pour les sujets de l'affaire d'État civil. C'est pour le responsable du service État civil, affaire générale. D'accord. Moi, j'ai une question qui est un peu... il y avait la dernière fois, lorsqu'on a présenté l'organigramme, là, le 21 septembre, il y avait le poste de la direction, d'assistante de direction qui était vacant. Il est pourvu maintenant ? D'accord. Il est pourvu en interne, ça n'a pas été un recrutement. Voilà, c'était déjà quelqu'un qui était dans la... Qui sait, mais je voulais être sûr que ça soit non que ça soit sur ce poste là parce qu'il peut y avoir des fois des bougies. Oui, après c'est j'assure c'est l'intérim en attendant que voilà. Donc il n'y a pas de souci. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Je laisse la parole à monsieur Baird. Merci madame Barbereau pour ces nombreuses délibérations. Délibération numéro 9, la convention constitutive d'un service de police municipale pluricommunale sur les communes de Lagny-sur-Marne, Torigny-sur-Marne, Pomponne et Damard. Alors, comme vous le savez, nous, on bénéficie d'une convention avec la ville de Lagny depuis... ça fera un an en février, hein, c'est ça ? Ça fera... Ah oui, il suffit que je lise, c'est vrai. Depuis le 17 janvier 2023, mais c'était effectif assez rapidement, dès le 1er février, je crois. Donc, on sait comment ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas de remontée de doléances de nos administrés. Donc, effectivement, la commune de Pomponne bénéficie de la mise à disposition de deux agents de police municipale par la commune de Lagny à hauteur de 17h30 par semaine de patrouille sur le territoire. Donc, c'est des bidômes qui patrouillent, ce qui explique pourquoi ils patrouillent la moitié du temps, puisqu'ils sont deux, sur un équivalent temps plein. Cette mesure s'inscrit dans le contrat de sécurité amorcé par la préfecture, mais ne représente qu'une ébauche de ce que ce service doit être à terme sur le territoire cohérent formé par les quatre communes, donc Lagny-sur-Marne, Torigny-sur-Marne, Pomponne et Damard. Donc le projet initial, qui était en sommeil depuis 2022, prévoyait la création d'un service de police municipale au nord de la Marne pour permettre les interventions efficaces sur ces territoires. Dans l'attente de sa mise en œuvre et s'inscrivant comme précurseur d'un accord à venir entre les quatre communes, Pomponne a signé une mise à disposition d'agents en début d'année 2023 pour bénéficier d'une couverture au départ de son dernier agent de police municipale et ainsi, par une présence adaptée aux besoins des Pomponnais, préserver au mieux la sécurité sur le territoire. Et donc aujourd'hui, le service de police municipale pluricommunale tel qu'initialement imaginé est en passe de voir le jour et donc demander au conseil d'autoriser la signature de la convention constitutive d'un service de police municipale pluricommunale dont vous avez eu communication en annexe. Il est à noter que la prestation est organisée différemment entre les deux conventions touchant Pomponne, à savoir 2023-2024. Vous avez un tableau
qui décrit les synthèses différentes entre les deux prestations, hein, celles dont on bénéficie aujourd'hui par la convention qui est signée entre la mission Marne et Pomponne, et le projet de convention 2024 avec l'ensemble des différences et des dispositions. Notamment en ce qui concerne la localisation de la base, donc aujourd'hui c'est la police municipale qui vient sur Pomponne, vient depuis la mission Marne. Demain, selon la convention 2024, il est prévu qu'il y ait une base à Torigny-sur-Marne, donc de l'autre côté du pont Onyx et de l'autre côté de la Marne. Mode de fonctionnement courant. Donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, c'est une mise à disposition de 2 agents pendant 17h30 par semaine pour les patrouilles, en 52 semaines par an, à préciser que les congés et autres absences sont compensés par l'ANI. C'est dans la convention dont on bénéficie. Les interventions d'urgence, aujourd'hui, sont hors forfait et donc non facturées. Demain, dans la convention 2024, la mise à disposition d'un service de police municipale nord devant atteindre un effectif de 8 agents à terme sur l'ensemble du territoire nord, donc 4 Torigny, 2 Pomponne, 2 Damar, la facturation du coût de l'ensemble du service, personnel, fonctionnement, investissement au prorata des populations sur les communes nord, soit 23% pour Pomponne sur la base des populations référencées par l'INSEE. En ce qui concerne les patrouilles de nuit, aujourd'hui, elles sont non facturées et assurées par la police de Lagny-sur-Marne, et demain, elles seront non facturées et assurées par la police de Lagny-sur-Marne également. Ça ne change pas. Coût pour Pomponne. Aujourd'hui, donc, on a un équivalent temps plein, donc un ETP, 52 semaines par an. Hein, donc, c'est vraiment tous les jours de l'année, hein, c'est vraiment à préciser, ce qui correspond à une somme de 55 000 euros par an. À terme, nous verrons que c'est deux ETP, donc deux ETP, deux équivalents temps plein, hein, donc ça sera toute la journée. Deux ETP plus le fonctionnement, plus l'investissement, il faut effectivement doubler en fait cette somme, hein, c'est assez basique, donc il faut prévoir au budget environ 110 000 euros par an. Ça c'est effectivement à effectif plein, hein, c'est, si on part de l'hypothèse qu'on a 8 agents à terme, et j'ai envie de dire dès à présent sur le territoire au nord de la Marne. La gouvernance, donc c'est une convention aujourd'hui, c'est une convention de mise à disposition. Demain, la gouvernance sera faite par un comité de pilotage qui doit fixer les règles de fonctionnement et arbitrer les dépenses du service Nord. Donc c'est un point important. En ce qui concerne les consignes, aujourd'hui le maire donne ses consignes sur son territoire dans la limite du temps alloué. Demain, les modalités resteront à définir par le comité de pilotage, c'est un point qui est important également. Le reporting, donc, qui est régulier, et dans le futur, en 2024, le reporting se fera selon des modalités également à définir par le comité de pilotage. Donc il nous a été effectivement confirmé la nécessité de recueillir l'aval des 4 assemblées délibérantes avant de pouvoir procéder au recrutement des effectifs nord annoncés et indispensable à la bonne couverture sécuritaire de notre territoire. Donc les quatre assemblées délibérantes, c'est les 4 communes. Toutefois, dans le souci de garantir les intérêts de la commune et la continuité du service actuel à minima, ça a été l'objet de discussions en commission sécurité dernièrement, nous souhaitons subordonner l'autorisation de signature au point suivant, il y en a 3, le maintien à minima du niveau de service qui existe sous la convention du 17 janvier 2023, donc ce dont on bénéficie aujourd'hui, avoir la garantie d'une gouvernance à l'unanimité dans le comité de pilotage, c'est important, c'est très important parce que ça permet au moins que les petites villes, entre guillemets, et voient au chapitre, puisque les belles décisions, les grandes décisions seront prises à l'unanimité, sinon rien. Et troisième point, la continuité sans rupture entre les deux conventions et la mise en place opérationnelle des services attendus de police. Donc voilà un peu les spécificités liées à Pomponne, parce que nous, on a déjà goûté, on va dire, au service qui s'effectue sur notre commune depuis presque un an. Y a-t-il des questions, Monsieur Guise? Merci. Juste rappeler que nous sommes favorables à cette police communale qui concerne les 3 communes. On l'avait dit dès le départ, même dans la convention de mise à disposition avec Pomponne. On trouvait qu'il y avait vraiment une logique de travailler avec Damar, Torigny et Pomponne. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, même si on n'est peut-être pas dans la même échelle, mais que la question d'intégrer Carnotin pourrait aussi se poser, parce que ça fait partie de la 4e commune Nord-Marne, et je pense que ça pourrait se poser, en tout cas. Bon.
Je vais faire un petit historique parce que cette convention, elle est abordée lors de la commission sécurité du 23 novembre avec une version 1 qui a fait l'objet de plusieurs remarques. On en a travaillé en commission. Une version 2 nous a été communiquée, c'était annoncé, hein, le 27 novembre, en nous demandant de faire part rapidement de nos remarques, ce que nous avons fait 2 heures et demie plus tard. Bon, je pense que là, on a été le plus réactif possible. Une version 3 nous est transmise aujourd'hui pour ce conseil municipal avec l'information qu'elle se veut avant tout constitutive d'un service et qu'elle sera accompagnée de réserves, ce que vous venez de faire. Voilà. Bon, nous, on va juste reformuler nos principales remarques qui sont toujours d'ailleurs d'actualité avec cette version 3. Pourquoi le financement de cette équipe Nord est partagé au prorata de la population et non aux ETP mises à disposition qui nous semblent plus logiques? Voilà, on fait un prorata à la population, alors qu'il y a un prorata aux ETP. Il y a 8 ETP, il y en a 2 à Damar, 4 à Torigny, 2 à Pomponne. Et ben, voilà, un quart et un demi. Enfin, on n'a pas compris, toujours pas compris l'explication de la clé de répartition à la population. La formulation, l'article 8, durée de la convention, page 4, hein, que je rappelle. Par contre, les signataires de la présente convention s'autorisent à refuser une entrée qui ne serait pas compatible avec les règles qu'ils se sont fixées ou avec leur caractère rural qui est le fondement de la présente convention. Alors, on s'était dit, quel est ce caractère rural, fondement de la présente convention? Ça mérite d'être expliqué. La question qu'on a aussi posée, qui est restée apparemment sans réponse, c'est qui prend en charge les dépenses de fonctionnement et d'investissement pour les locaux appartenant à Torigny et accueillant l'équipe Nord? Parce que Torigny accueille l'équipe Nord, donc ils vont avoir des bâtiments et tout. Voilà, si c'est eux qui prennent tout en charge, ben c'est très bien, mais en tout cas, faut-il l'écrire ou s'en assurer? Et puis, ben ça a été dit, mais on le rappelle parce que je crois que c'est important. Le rôle décisionnaire du comité de pilotage doit être précisé parce que là, aujourd'hui, ça reste un peu flou. Et bon, je pense que quand c'est écrit, ça cadre déjà et ça permet qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, c'est nos seules remarques, mais on est favorable à cette police pluricommunale. Oui, Christophe. Je voulais savoir, la SVP de Pomponne, que devient-elle? La SVP, elle reste à Pomponne. Okay. Aujourd'hui, on va dire, avant qu'il y ait officialisation de tout ça, elle travaille aussi en bonne intelligence, on va dire, déjà avec l'ANI. Mais aujourd'hui, c'est la SVP de Pomponne. Merci. Je rebondis sur ce que disait M. Guise. Effectivement, on partage tout ce qui a été dit, forcément, notamment le fait qu'il y ait des remarques qui n'aient pas été inscrites, en tout cas. Donc, ce qui nous a conduit effectivement à mettre les clauses qu'on considère comme importantes, notamment parce qu'on sait que c'est des conventions qui peuvent être assez fragiles. Il suffit d'un mode de gouvernance un peu différent pour qu'on puisse se trouver dépossédé de ce service qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Donc nous, on ne veut pas, entre guillemets, pour résumer, passer un trou d'air. Puisqu'aujourd'hui on bénéficie de 1 ETP et ça marche plutôt bien. Et donc demain, l'idée c'est qu'effectivement le recrutement puisse se faire rapidement et atteindre l'objectif de 8 agents au nord de la Marne. Nous allons passer au vote s'il n'y a plus de questions. Donc, ah pardon, ma prime. Ouais, excusez-moi. Bien sûr. Le véhicule de la police municipale de Pomponne, il devient quoi, finalement? Bah, c'est un véhicule ASVP, donc il reste à Pomponne. Ah, actuellement, qui a été fait entre l'ANI et Pomponne, il tombe automatiquement? Alors, il tombe automatiquement, mais ça fait partie d'un des 3 attendus, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une continuité sans rupture entre les 2 conventions. L'une annule l'autre, forcément. Mais l'idée c'est que on soit pas sans rien, ne serait-ce qu'une seule journée, bien évidemment. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? M'autoriser à signer la convention constitutive du service de police municipale sous les conditions suspensives qui ont été exposées. Qui s'abstient? Je vous remercie.
Je passe la parole à Madame Laurence Dibert. Merci, Monsieur le maire. Bien, on va parler un petit peu d'écologie et d'action vertueuse, si je puis dire. Il s'agit donc de la création de zones d'accélération des énergies renouvelables. La loi APER, donc, accélération de la production d'énergie renouvelable du 11 mars 2023, prévoit notamment dans son article 15 la définition de zones d'accélération des énergies renouvelables jugées préférentielles et prioritaires pour les communes. C'est dans le droit fil, en fait, notamment de la compétence de Marne-et-Gondoire sur les énergies renouvelables que cette délibération vous est proposée. Ces zones cartographiées doivent être définies pour chaque catégorie de sources et de types d'installations de production d'énergie renouvelable. Pour rappel, le schéma directeur des énergies, SDE, vise une production en électricité basée principalement sur un renforcement de la solarisation, en chaleur par un mix entre récupération de chaleur fatale, solaire thermique, géothermie et bois énergie, et une part moins importante en termes de production de gaz par méthanisation. Et une production en ENR de 16% de nos besoins à 2030 et de 70% à 2050, complétée par un apport énergie verte de 30% permettant au territoire d'être alimenté intégralement en énergie renouvelable ou de récupération. C'est vraiment ça dans les objectifs du schéma directeur des énergies de Marne-et-Gondoire, et les cartes ci-jointes sont proposées aux communes déclinées selon les filières énergétiques suivantes. Donc toutes les communes de Marne-et-Gondoire sont bien évidemment ont ces propositions: le solaire thermique et le photovoltaïque, la géothermie, les réseaux de chaleur, la biomasse, l'éolien et la chaleur fatale. Les zones d'accueil des filières proposées sont les plus larges possibles afin de permettre la faisabilité de tout projet éventuel. Seules les contraintes techniques éventuelles ou réglementaires en sont exclues. Chaque commune pourra préciser davantage les limites des zones proposées au regard de ses propres enjeux. En effet, il est bien précisé que ces zones doivent permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'une instruction accélérée, examen de l'autorisation environnementale limitée à 3 mois par exemple, voire de bénéficier de bonus financiers incitatifs qui pourront être mis en place par l'État. Des projets pourront se développer en dehors des zones d'accélération. Cependant, au-delà d'une certaine puissance, seuil non précisé encore, ces projets hors zone d'accélération devront être présentés à un comité de projet qui émettra des recommandations. Alors, je pense que tout le monde a eu accès à ces cartes. Le projet débattu en conseil communautaire a été mis à disposition de la population via le site internet de la commune et un appel à observation a été lancé du 10 novembre 2023 au 30 novembre. Le sujet a été également analysé en commission urbanisme du 7 décembre 2023. Il y a eu 123 consultations du site, mais il n'y a eu aucune remarque en termes de réponse puisqu'il y avait un mail qui pouvait recueillir les observations. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les cartes annexées au titre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, avant que le projet de délibération vous soit lu, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors, j'imagine que c'est un exercice imposé. Tout à fait. Voilà. Parce que quand on lit ou quand on écoute ce que tu nous as dit, ça ne donne pas la clé de ce qu'on va faire. Qu'on veut accélérer les projets, etc. Bon, très bien, les intentions sont manifestement bonnes, mais de l'intention à l'acte, c'est pas forcément très lisible. C'est effectivement. Donc est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple à donner d'un projet qui pourrait bénéficier de la création de ces zones d'accélération des énergies renouvelables? Est-ce que tu as un truc en tête là? Parce que, alors, si vous avez regardé un peu les cartes, par exemple, de chaleur fatale, la chaleur fatale, c'est le truc le plus basique qui soit, dans la mesure où chaque bâtiment produit une chaleur fatale avec les réseaux qu'il y a. Donc,
effectivement, là, on pourrait considérer qu'il y a un récupérateur de chaleur fatale. Donc, il faut qu'une entreprise, une structure, se porte candidate pour installer un système de récupération de ces chaleurs fatales. Donc, dans les zones où il y a la chaleur fatale, c'est-à-dire toutes les zones urbanisées, notamment les collectifs et autres, si quelqu'un se présente pour tel, il pourra bénéficier, grâce à notre cartographie et aux aides de l'État et de Marne-et-Gondoire surtout, puisque Marne-et-Gondoire donc justifie, dans le cadre de son schéma directeur, d'un certain nombre d'accompagnements financiers aussi pour aider les porteurs de projets. C'est surtout ça qui est intéressant. Par exemple, si tu veux faire une ferme photovoltaïque dans un espace dont tu disposes, tu pourras avoir l'aide de ces structures, parce qu'il aura été ciblé notamment sur les cartes qui nous ont été soumises. Il n'a pas de micro. Attends, ça y est. Pour compléter la question de Jean-Marc, je n'ai pas trop compris en quoi, en fin de compte, cette délibération engageait la commune de Pomponnet. Parce qu'entre les intentions, en effet, et puis les... Est-ce que c'est un pouvoir en blanc qu'on donne, oui, ou est-ce que... C'est surtout, en fait, une forme de diagnostic de potentialité. C'est tout. C'est étonnant. C'est exactement ce qui a été soumis à l'ensemble. On s'est nous posé la question, d'ailleurs, en commission. On a émis un peu de réserve, mais on se rend compte que là, il y a véritablement un consensus de toutes les communes qui ont procédé à cette démarche. Ça laisse la porte ouverte à des initiatives privées, initiatives justement qui va viser à ce que tout le territoire de Marne-et-Gondoire soit producteur de ses propres énergies. Mais par exemple, si vous avez pu remarquer, l'éolien est totalement absent. C'est ce que j'allais préciser. Parce que l'éolien n'est pas du tout un équipement recevable sur le secteur de Marne-et-Gondoire. Bien heureux. Voilà. Bien. Mais en fait, compte, quelle serait, par l'absurde, la conséquence de ne pas voter cette délibération? On serait le petit canard, je ne sais pas quoi. Non, mais parce qu'en fait, quand on est dans une mouvance aujourd'hui un peu intellectuelle, ouais, où la pensée autour de ces sujets-là, où on suit une majorité sans trop savoir, parce qu'il y a même des choses que je ne comprends pas, et c'est plutôt intellectuel, en fin de compte. C'est rentrer dans une espèce de cercle vertueux. Parce que effectivement, il y a cette fameuse loi APER qui nous contraint. Oui et non, si, quand même, qui a été votée par l'État, qui définit des zones d'accélération. Donc, Marne-et-Gondoire a obtempéré, si je puis dire, et a défini au niveau des. Monsieur le maire qui veut intervenir. Oui, simplement. Oui. Pardon, Laurence. C'est surtout que ça met au même niveau des énergies renouvelables qui, en théorie, ne devraient pas être mis au même niveau. Par exemple, le photovoltaïque ne doit pas être mis au même niveau que la géothermie. La géothermie, on l'a sur place. C'est plutôt extrêmement vertueux. Après, il y a des infrastructures, mais c'est quand même vertueux. Le photovoltaïque, ça enclenche des choses qui sont beaucoup plus complexes, qui viennent jusqu'à maintenant, qui viennent de très loin, qui... Il y a un côté à qui profite le crime, quand même, dans tout ça. Donc, effectivement, il y a des cartes qui sont sur lesquelles on peut émettre des avis tout à fait, j'allais dire, sans réserve. La géothermie, pour peu que les sols le permettent, c'est plutôt... Oui, je vais te donner la parole. Pour le reste, effectivement, c'est beaucoup plus... ça pourrait être contestable. Après, on voit que c'est une jeune loi. On voit que c'est un peu à marche forcée. Hein, on ne peut pas... de le lire pour voir que c'est comme ça. Tout part de schéma directeur pour ensuite arriver à des faisabilités puis des concrétisations de projets. J'ai envie de dire on n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les parcs photovoltaïques. Aujourd'hui, de manière un peu basique, les cartes présentent par exemple
des configurations de toiture plate ou inclinée à 45 degrés, bah, c'est potentiellement support du photovoltaïque. Donc, c'est pour ça que c'est des grosses masses. Hein. Il suffit de voir l'échelle à laquelle... C'est pas de la dentelle. C'est pas de la dentelle, c'est pas de la microscopie. Christophe. Oui, quand on voit les cartes qui nous ont été données, alors quand on voit la chaleur fatale, en gros, c'est que les habitations. Parce que quelques industries. C'est les zones urbanisées, oui. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est que l'énergie fatale, dans l'industrie, ça se récupère déjà actuellement, dans les entreprises aussi. Surtout au niveau informatique, les baies informatiques, on sait comment récupérer la chaleur. Les data, oui. Mais j'imagine les habitations qu'on met sous bulle pour récupérer. C'est un peu... Non, mais c'est pour ça, c'est délibérer, penser, c'est bien un bout d'un moment, mais délibérer pourquoi et se dire ce que ça va incomber après aux communes qui auront adhéré à ce genre de choses. Enfin, bah, aux communes elles-mêmes, a priori, c'est surtout ce système-là. Permet d'accompagner des initiatives, des projets qui viseront à atteindre ces objectifs d'accélération d'énergie. Oui, mais justement, voilà. c'est bien marqué par différents points. Et quand on arrive justement à des choses en disant chaleur fatale, voilà, sur des bâtiments publics ou des choses comme ça, peut-être. Mais quand on voit l'ensemble des cartes, en fin de compte, ça reprend toutes les habitations. Isabelle, est-ce qu'on a une idée de l'articulation entre ces cartes, donc quelque part où on légitime en fait ce type d'action sur le territoire, et le PLU et les règlements qu'on va souhaiter mettre en place? Parce que là, on peut éventuellement avoir des contrariétés entre effectivement ce qu'on va indiquer dans la révision du PLU. Donc est-ce que ces cartes nous seront imposées et donc on ne pourra plus à la limite mettre dans nos plus ce qu'on a envie de mettre? Si, par exemple, si on n'a pas envie de... On parlait de toit. Si on n'a pas envie d'avoir un certain style de toit, mais qu'il le faut pour le photovoltaïque, est-ce que c'est ce qui sera prioritaire ou ça sera le plus qui sera prioritaire? Et c'est vrai que dans le cadre de la délibération, pour le moment, ça n'est pas du tout précisé. C'est ce qu'on avait vu en commission. Je suggérerais qu'effectivement, on fasse une approbation sous réserve d'un certain... Déjà, effectivement, d'avoir une finalité un peu plus précise de ce que sont ces cartes. Deuxièmement, les contraintes qui seront liées et qui seront imposées aux communes. Et effectivement, avoir une hiérarchie des normes, en fait, par rapport à notre plus. C'est ce qu'on... Effectivement, c'est... Donc, on est tout à fait d'accord, je crois, pour rajouter cet élément-là dans le cadre de la délibération. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette... Oui, voilà. Nous prenons en compte d'ajouter dans la délibération cette remarque. C'est celle qui avait été d'ailleurs définie en commission urbanisme avec Dominique, elle était là. Hein. Donc... Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors on vote pour ajouter et on vote. Alors on vote pour ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors qui s'oppose? C'est une réserve. Voilà, tout à fait. Ouais. Il faut la formuler. Sous condition. Il faut la formuler. Eh bien, faut que nous la formulions. J'étais en train de rechercher justement le compte rendu de la commission, qu'on reprenne les éléments. Je croyais l'avoir sous la main. Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Mon compte-rendu de commission urbaniste n'est pas encore... Enfin, il a été soumis, mais pas encore validé. Tu l'as là? Oui, oui. Si tu veux. Oui, parce que je l'ai, mais... Je l'avais là. Donc là pour l'instant ça n'a pas été approuvé, mais le projet de compte rendu de commission indique que la commission s'interroge sur les objectifs de cette démarche. Donc là on parle des cartes, effectivement. Les documents proposés sont un peu hermétiques, parce qu'effectivement, voilà. Enfin, il faut dire que tout est recouvert, donc l'intégralité du territoire à peu près est prise. Donc en fait on ne sait pas trop comment ça a été décidé.
sur le principe d'un diagnostic sur ces zones définies, pourquoi pas, mais pour quelle finalité et dans quelle temporalité. Voilà. Voilà. Donc là, moi, je souhaiterais qu'on y ajoute quand même la notion de plus et de hiérarchie des normes, voilà, qu'on n'a pas forcément effectivement évoqué lors de la commission, puisqu'on s'était arrêté sur déjà une problématique de finalité des cartes. Voilà. Donc il y a deux notions supplémentaires, la notion de hiérarchisation et de compatibilité avec les plus, avec notre plus notamment. Là, on est en train d'approuver, pour regarder ce qui est marqué dans la délibération, approuver les cartes annexées au titre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. C'est sur cette phrase-là qu'il faut rajouter nos... Donc, il faut mettre simplement... Oui, juste, oui, c'était pour ça, revenir sur le titre de ce qu'on... Opération de zone. Parce que demain, on nous parle de biomasse. Est-ce que du coup, nos petits collègues de l'agglo ne nous imposeraient pas de mettre un truc biomasse sur notre territoire, étant donné qu'on a beaucoup d'espace vert? Une centrale de biomasse, tu vois. Des cuves pour faire des déchets et puis avec des matières organiques sur notre commune. C'est ça la biomasse. Oui, il y a beaucoup de points qui sont cités comme ça, c'est pour ça. Il ne faudrait pas que ça nous incombe accepter après. Et tu as pu remarquer que les zones de biomasse qui ont été définies sur les plans, c'est les zones agricoles qui restent sur Pomponne actuellement. Oui, justement. Mais donc, voilà. Merci. Donc, il faudrait ajouter, on va peut-être y arriver. Oui. Ah, mais s'il y a des questions, si les questions peuvent nourrir le... Bah, si, Non, enfin, c'est des questions, moi je suis d'accord, enfin, sur ce qui a été dit. Je note à chaque fois, je ne sais pas si c'est, mais on a quand même quelques habitations qui sont au bout du chemin d'Armoin. Elles n'apparaissent pas. Alors notamment dans la chaleur fatale, il y a des petits points partout où il y a des habitations. Elles n'apparaissent pas là où il y a des habitations. Donc bon, c'est comme des habitations, c'est pas des cabanes de bois. Et c'est vrai que alors là où tu quand tu fais la remarque là, sur les zones de biomasse méthanisable, c'est vrai que nous, elles sont dedans, les habitations, là, c'est les seules qui sont en petit bout de verre. Mais alors j'entends quand tu dis que c'est les zones agricoles, quand je regarde la carte, alors même c'est pas l'objet de nous, notre zone, mais quand je vois Saint-Thibault et une partie de Lagny, c'est pas des zones agricoles qu'ils ont mis en vert sur la carte. Ouais. Ah non. J'avoue qu'on s'est pas trop penché sur les zones. J'entends la réponse biomasse, c'est terrain où on peut faire, ok, mais du coup. Là où c'est à Lagny et à Saint-Thibault, c'est de la zone industrielle, il y a même de l'habitation. Il y a même de l'habitation. Est-ce qu'elle serait capable? Je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas si considère que peut-être on peut y faire de la biomasse. Voilà, c'est ça. C'est de dire, je ne suis pas sûr que ce soit juste la qualification de terrain d'agriculture qui met du vert. Oui, voilà. Il y a les deux notions. À un moment, ce qui pourrait incomber à Marne-et-Gondoire, du coup, à notre zone, c'est de se dire tel territoire pourrait accepter telle chose. L'énergie fatale, la chaleur fatale, les autres, la biomasse, etc., pour rentrer dans les clous. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas en arriver là en approuvant la création de certaines zones actuellement. Face à toutes ces interrogations qu'on a, a-t-on un délai pour passer cette délibération? Est-ce qu'on pourrait pas prendre... Oui. 31 décembre. 31 décembre. J'allais proposer de la... Pour une loi, c'est un délai qui est quand même un peu court sur des sujets aussi importants qui engagent la commune. Après, on n'est pas obligé de l'approuver. Mais je ne sais pas si ça engage véritablement. C'est du diagnostic, hein, c'est-à-dire c'est une proposition de situation, mais c'est pas véritablement. Enfin, pour le moment, on n'a pas de définition contrainte. Carte quand même. Hein. Nous, ce soir, on le délibère, mais on n'est pas obligé d'approuver. Et puis, on reviendra vers le sujet plus tard. Il nous faut plus d'informations sur cette cartographie. C'est-à-dire, ça risque de bloquer quand même le processus dans une démarche... Je pense que si on met, et je remercie Mme la DGS pour cette précision, je pense qu'on pourrait mettre approuve les cartes annexées au titre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable, sous réserve de points de préciser et fixer la hiérarchie des normes et la compatibilité par rapport au PLU. Et le deuxième, de préciser la finalité de la démarche
et sa temporalité. Oui, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces... Parfait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, approuve et on rajoute sous réserve, derrière le premier. Si vous en êtes d'accord. Et on je soumets au vote l'adjonction de cette motion-là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et dans un deuxième temps, je vous demande de voter pour à la fois approuver les cartes annexées au titre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable, sous réserve de préciser et fixer la hiérarchie des normes et la compatibilité par rapport au PLU, de préciser la finalité de la démarche et sa temporalité, autorise le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, et autorise le maire à transmettre au référent préfectoral, M. Nicolas Honoré, sous-préfet de Meaux, les cartes ci-jointes au titre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable de la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 11, décision prise par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il s'agit de prendre acte de la présentation des décisions prises dans le Code de la délégation au maire, soit trois décisions. Une modification de la régie d'avancement équipement pour régler les dépenses de redevances pour logiciels. Décision D2023-27. La D2023-28, c'est la convention de partenariat Séance Abbé Pierre, une vie de combat, proposant à l'ensemble des habitants de Pomponne un tarif préférentiel, un peu comme la semaine bleue, comme signé senior, proposant à l'ensemble des habitants de Pomponne un tarif préférentiel pour l'achat de places de cinéma à l'établissement Le 5 de Lagny-sur-Marne à l'occasion du film Abbé Pierre, une vie de combat, à compter du 18 novembre 2023. Le prix des places, qui est de 6 € TTC habituellement, est pris en charge à hauteur de 2,50 € par la commune partenaire, soit 3,50 € TTC pour le client. Les bénéficiaires devront apporter au cinéma lors de l'achat des places un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Je ne sais plus d'ailleurs s'il est encore à l'affiche ou pas. En tout cas, il a été de 2-3 semaines. Troisième décision, D2023-29, c'est l'achat d'une concession pour 250 €. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. On va passer aux questions diverses, si vous en êtes d'accord. Je n'ai reçu que les questions du groupe Pomponne à Nouvel Élan. Donc, je vous donne la parole. Si. La première question, pouvez-vous enfin communiquer la date de remise en service du transport pour les aînés ? Alors, au vu de la refonte du service... ASVP, Madame Descou et Madame la directrice du pôle population travaillent en ce moment avec une association qui pourrait assurer le service et plus encore dans un partenariat raisonnable. A noter que le service actuel, au vu de son amplitude horaire, coûte, et c'est important de le dire, 13 000 € par an à la commune, à la fois en personnel, l'entretien du véhicule vieillissant, l'assurance, l'essence, pour aujourd'hui 5 personnes en moyenne, dont deux qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce service, puisqu'elles disposent à la fois d'un véhicule personnel et de la capacité de l'utiliser et ou de se faire conduire. Donc aujourd'hui, le service de transport tel qu'on le connaît sera modifié. Donc vous serez informé de la mise en œuvre de cette solution, à la fois différente et que nous souhaitons bien évidemment efficace, dès la finalisation du partenariat. Alors du coup, il n'y a pas de date ? Non. Sur cette, et alors, on serait intéressé d'avoir le calcul des 13 000 euros. Oui, absolument. Voilà. Et je pense qu'un sujet comme ça, il a sa place en commission. Oui. Parce que là aujourd'hui, ça sort clairement qu'il y a une question de coût qui est posée. Jusque-là, les raisons qui étaient évoquées, c'est un véhicule accidenté, ça n'a pas de bol. Après des problèmes de pendant l'été de pièces détachées et autres, après un sujet de contrôle technique, pour au final se poser la question de dire mais ce service-là est-il pertinent aujourd'hui dans les choix politiques de la commune ? C'est une question qui s'entend. C'est aussi le rapport qualité-prix, on va dire. Oui, mais c'est ça. Mais il faut, je pense qu'il faut la poser clairement, la travailler en commission. Puis après, il y a des avis, et peut-être des avis différents, mais c'est aussi l'objet de la contradiction.
Mais bon, ça aurait été mieux de le dire plus tôt. Bah, c'est-à-dire que c'est l'immobilisation du véhicule qui nous a fait poser ces questions-là. Je vais être assez clair avec vous. C'est qu'effectivement, l'idée, c'est qu'on trouve assez rapidement une solution qui soit, dont le rapport qualité-prix serait véritablement bien meilleur. 5 personnes. 5 personnes pour 13 000 euros. 13 000, oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le détail des 13 000. Bien sûr. Non, mais de toute façon, il y a un calcul qui a été fait, il n'y a aucune raison de le cacher. Voilà. La question suivante. Pardon. Quelle suite avez-vous donné dans votre relation avec le bailleur ICF Habitat après la délibération proposée lors du conseil municipal du 21 septembre et pouvez-vous nous dire aujourd'hui à qui appartient le trottoir rue des Cornouillers côté résidence? Merci. Alors je me permets de rappeler que sur ce point spécifiquement, les conseillers municipaux des listes d'opposition se sont abstenus de m'autoriser à envoyer une demande à ICF Habitat La Sablière. Donc, conformément aux engagements pris lors du conseil municipal du 21 septembre, un courrier signé par mes soins est parti de la mairie en octobre. Fin octobre, je crois. ICF La Sablière a répondu le 28 novembre et je vais en profiter pour vous faire lecture de leur réponse. On a reçu ça le 6 décembre, donc c'est pas vieux. Donc, c'est une lettre du président du directoire, M. Emmanuel Dunant, à la destination du maire. Monsieur le maire, je fais suite à votre courrier relatif au projet d'aménagement extérieur de notre résidence située allée de la Coudraie et allée de Luzancy, dans lequel vous me faites part de vos préoccupations sur l'offre de stationnement futur et le montant du loyer parking à la fin des travaux d'aménagement. ICF Habitat La Sablière a engagé depuis 2019 un ambitieux projet d'amélioration de cadre de vie et du confort thermique des locataires de cette résidence. On s'en souvient, c'est la petite remarque. À terme, près de 3,9 millions d'euros auront été investis pour la rénovation des parties communes, l'isolation des toitures terrasses, le remplacement des équipements de VMC, le remplacement du réseau d'eau chaude sanitaire, la rénovation des box, le réaménagement des espaces extérieurs ainsi que l'amélioration de la gestion des déchets ménagers. Le projet de réaménagement des espaces extérieurs conduit en effet à la suspension de 20 places de stationnement tout en maintenant un ratio de 1,5 places par logement. C'est ce dont je vous avais fait part d'ailleurs. Afin que cette réduction du nombre de parkings ne déporte pas du stationnement sauvage sur les voies communales, c'est ce qu'on leur avait demandé, une étude complémentaire sera conduite par les équipes ICF Habitat La Sablière pour déterminer le taux de motorisation et nous assurer que l'offre de stationnement future reste adaptée aux besoins des habitants. Aussi, nous nous engageons à ce que toutes les places de stationnement de cette résidence soient prioritairement mises à disposition des locataires. Et s'agissant du loyer assorti au nouveau stationnement extérieur, il a été fixé, au regard du coût des investissements réalisés pour ce réaménagement, des services supplémentaires apportés aux locataires, entre parenthèses stationnement individualisé, accès sécurisé, et de la politique loyer ICF Habitat La Sablière pour ce type d'équipement. Néanmoins, nous entendons votre souhait d'inciter le locataire à la location d'une place de stationnement et vous proposons la mise en place d'un mécanisme d'incitation consistant à l'application d'une réduction de 50% sur le loyer du second contrat. Pour les locataires souhaitant louer une seconde place évidemment, de stationnement extérieur, ce mécanisme conforme à la politique des loyers chez ICF Habitat La Sablière permettra de cibler les locataires qui disposent de plusieurs véhicules et pour qui le coût d'une seconde place de stationnement se révèle trop important. J'espère que ces éléments complémentaires seront de nature à vous rassurer. Monsieur Caman et moi-même restons à votre entière disposition pour toutes ces précisions complémentaires. Je vous prie d'agréer, etc. etc. Donc voilà la réponse. Sans trop vous cacher quoi que ce soit, elle n'est pas forcément satisfaisante. Je pense qu'il y a une réunion, devra monter une réunion aussi avec l'Assemblée des locataires. Parce que rien n'est vraiment précisé ni sur le réel audit de la motorisation, ni sur le taux d'occupation des box aujourd'hui, puisque ça avait été aussi la question de rationaliser un peu l'occupation des box afin de faire un appel d'air pour qu'il y ait un peu plus de place à l'extérieur en surface. Donc on va voir ce qu'on va répondre, mais aujourd'hui c'est pas satisfaisant quant aux 50% sur la deuxième place. Je sais pas si c'était ça vraiment l'enjeu. La réalité c'est que si on supprime 20 places, elles vont se retrouver forcément ailleurs et le ailleurs va se déplacer vers les pavillons par exemple, tout naturellement.
voilà. Donc selon le retour de nos services, alors ça c'est pour le premier point, donc c'est pas satisfaisant. Et selon le retour de nos services, le trottoir donc nord, le long de la résidence de la Coudray Luzancy, est propriété communale sur la largeur réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trottoir, il est bien sur la largeur réglementaire. La partie trottoir. La partie trottoir, ouais. Elle est bien communale. Quoi. Voilà. Oui, hein. C'est ce que j'ai comme retour des services. D'accord. Non, parce qu'ils ont revendiqué la propriété. Oui. Mais autant le trottoir sud, c'est non équivoque. Effectivement, la commune n'a pas le trottoir qui est de l'autre côté, de ce qu'on peut remarquer sur le cadastre. Autant le trottoir nord. Vous me perdez, moi. Quand vous parlez de trottoir nord, c'est le côté trottoir côté résidence. Oui. D'accord. Trottoir sud, c'est côté lotissement. Oui. D'accord. Mais ce n'était pas la question. Sur le trottoir côté lotissement, c'est du communal, ça. Sauf que c'est une autre parcelle cadastrale. Oui, d'accord. Mais je veux dire, ça reste communal. Ah bah, le privatif démarre plus loin. Oui. D'accord. OK. Donc là, maintenant, le trottoir, il est communal sur la partie résidence, donc dont acte. Alors du coup, le projet de... Parce qu'on avait découvert, nous, en conseil municipal, qu'il y avait une offre d'achat, enfin en tout cas dans le projet de résidence... Résidentialisation. Résidentialisation, merci. Qui était subordonné à l'achat, entre guillemets, à la commune, de la partie publique allée de la Coudray et allée de Luzancy. Oui, les deux allées. Et donc aujourd'hui, c'est stand-by, ça. Ah bah, ils ne sont pas revenus dessus. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on trouvait que c'était important d'avoir, c'était suite à la discussion qu'on avait eue en conseil municipal, c'était important au moins de garder celle qui est, on va dire, celle de la Coudray, puisqu'elle mène au stade. D'accord. Voilà. Et donc, on a fait part de cette remarque-là, y compris peut-être s'il y avait des unités foncières à bouger, de pouvoir, c'était une proposition, peut-être permettre... D'avoir que la ville puisse acquérir une fine bande totalement à l'est pour pouvoir accéder par le côté au jardin contre les box. Donc là-dessus, ils n'ont répondu que partiellement à un courrier qui faisait état de l'ensemble de ces sujets. Il n'y a pas de ça n'a pas avancé quoi à ce stade. À ce stade, non, sauf que nous, on a posé des questions, ils ne répondent pas. Et pour ne rien vous cacher, je crois qu'en plus, il se dit à la résidence que la mairie a bloqué les sujets, ce qui est totalement faux. D'accord. Merci. Troisième question, pouvez-vous nous préciser le travail réalisé à votre initiative en commission sécurité et prévention concernant la réflexion sur les règles de circulation des rues Berthelot et des Chênes ? Alors, le sujet avait déjà été abordé en commission le 30 mai de cette année, et d'ailleurs, certaines idées pertinentes avaient été émises. Ensuite, dans un cadre plus global, il a été décidé de lancer une étude trafic, et on est en train de mettre en concurrence plusieurs cabinets. C'est toujours pas... on est en train d'affiner le cahier des charges. Cette information a d'ailleurs été donnée lors de la réunion publique à la fois du site du Grimpé, qui était le mercredi 29 novembre, et lors de la réunion publique du quartier Gare-Coteau le 2 décembre. Sur le sujet, ça a été effectivement abordé le 30 mai, oui, en commission sécurité. Je reprends le compte-rendu. Hein. Avis de la commission, lors de la commission, toutes les personnes présentes n'ont pas donné leur avis. Quelques-unes trouvent que ce ne serait pas une idée judicieuse, car la vitesse des véhicules s'accentuerait davantage. Madame Billy a précisé qu'elle aimerait également revenir sur ce sujet à la prochaine commission et de prendre le temps de poser le pour et le contre pour une réflexion constructive. Voilà. À la prochaine commission, c'était celle du mois d'octobre, le sujet n'a pas été abordé, juste dans les points divers où il y a une remarque qui a été faite de dire que ça serait bien d'intégrer le sujet des pistes cyclables sur cette réflexion, qui est fort pertinent. Et à la dernière commission du 23 novembre, j'ai abordé ce sujet-là dans les points divers en listant plusieurs points sur lesquels je reviens au mois de mai, où j'avais dit, pour pouvoir discuter de ça, il faut discuter de données objectives. On va les avoir avec l'étude de circulation qui va être. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir travailler. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de travail, entre guillemets, collaboratif avec des avis des uns et des autres en commission. D'accord, c'est tout. Oui. C'est ce point-là. Après la consultation
qui a été faite, votre avis compte numéro 5, posait une question alors, à la fois sur un sens qui était pris de manière délibérée, ça aurait pu être dans un sens ou dans l'autre, c'était plus pour faire réagir qu'autre chose, et les remarques étaient intéressantes et constitueront des points d'entrée aussi pour l'étude trafic. Je pense que c'est important. Une commission qui aura un grand moment dédié, parce que ça ne va pas être un sujet qui va être expédié en 5 minutes, de travail, de concertation, d'échange entre les membres de la commission sécurité et prévention. Voilà. Oui. Mais que ce travail-là n'a pas encore eu lieu. Absolument. D'accord. Question numéro 4. Qui contrôle la sécurité des chantiers des projets immobiliers rue de Paris et avenue Chabanneau en matière de sécurité des usagers de la voie publique? Alors, je refais un tout petit historique. C'est vrai que c'est dans les tout premiers jours de l'ouverture de ces chantiers, il était constaté un certain nombre d'infractions qui ont été verbalisées. D'ailleurs, on avait été sollicité à la fin d'un conseil municipal sur ces sujets. Les ASVP et la police municipale sont mobilisés pour contrôler le bon respect des règles. Et le directeur des services techniques est en relation permanente avec les chefs de chantier pour également faire respecter les règles, ainsi que M. Tran dans sa délégation de cadre de vie. En coordination avec Mme Audibert à l'urbanisme, en relation directe avec les opérateurs. Après quelques ajustements, la situation, quand de fortes intempéries ne viennent pas perturber le chantier, se normalise, mais nous restons bien sûr vigilants sur ces questions. Je vais vous faire la même remarque que j'ai faite lors de la commission sécurité et prévention du 23 novembre. Sur le chantier Chabanneau, il n'y a plus de trottoir sur l'entrée et sortie du chantier, qui se fait par le côté rond-point Chabanneau-Chartier. Le trottoir est complètement défoncé, il n'y a plus de trottoir. Et donc, il est complètement boueux, vous ne pouvez pas, même à pied, vous ne passez pas. Et il n'y a aucune signalisation qui interdit, comme sur d'autres chantiers, la fin et d'orienter les piétons pour arrêter, faire tout le tour du rond-point. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est un fait. Il n'y a plus de trottoir. Et ce n'est absolument pas ni balisé ni signalé. Et ça, ça dure depuis un moment. Alors, donc, je l'ai dit le 23 novembre, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Je vous ai signalé aussi le 23 novembre que le matin, de très bonne heure, 6h30, des camions étaient en attente à l'entrée Shell de Pomponne pour accéder au chantier des jardins de Courtin. Et du coup, ils se garaient dans les virages. Enfin, c'était donc photo à l'appui, c'est quand même très dangereux. Et même qu'un jour, un pomponnais a appelé la police pour dire on ne peut pas laisser ça. Donc il y a quand même un sujet, entre guillemets, de sécurité. On l'a vu sur le chantier, ça s'est bien passé. Mais sur le chantier de la gare, il n'y a jamais eu personne. Les piétons pouvaient continuer à prendre, alors qu'il devait y avoir à un moment donné piétons passer par le pont et au-dessus. Ça passait en bas comme avant, quoi. Et idem pour les voitures. La seule chose où quand les voitures passaient pas, c'est quand il y avait les camions qui livraient. Voilà. Mais le nombre de fois où on a eu des situations où les bahuts rentraient en marche arrière, en bloquant même une partie de la rue du Général Leclerc. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que moi, sur l'intérieur du chantier, ça incombe au maître d'ouvrage, c'est de sa responsabilité. Mais là, on est sur la voie publique. Et donc, à un moment donné, attention, il y a aussi des gens qui passent. Et sur le côté Chabanneau, il y a de la circulation parce que tous les gens qui cheminent à pied, ils descendent par là pour rejoindre la gare. Voilà. Absolument. Mais on fait des rappels journaliers. Mais je pense qu'au-delà des rappels, à un moment donné, l'avez fait, il faut mettre des sanctions. Quoi, hein, parce que je pense que les rappels, en plus celui qui l'entend, c'est sûrement fatigant. Ils ont été verbalisés, même sur les dispositions, les camions non bâchés. Enfin, ça a été le. Donc il y a aussi la façon dont ensuite ils conduisent. Alors, après, c'est vrai que c'est aussi un chantier, qui est côté Chabanneau très salissant. Hein, voilà. Et c'est vrai que la dernière fois, un homme, une personne du chantier, nettoyait à grande eau avec. Je ne sais pas d'où vient l'eau, mais ce n'était pas de l'eau d'un ruisseau. Hein. Donc, en termes de gestion de l'eau potable, honnêtement, ça met un coup de pied aux fesses là, lorsqu'on est sensibilisé aujourd'hui à la ressource eau. Et ce n'était pas un petit tuyau d'arrosage, et ça débitait. Hein. Et il nettoyait la route, et tout ça coulait vers le bas. Quoi. Bon. Je pense qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là. Non, mais ils sont repris à l'ordre systématiquement. C'est de, et
moralité, les PV sont pas dissuasifs sur ce truc-là. Donc ils sont convoqués. Non mais il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qui ne sont moins acceptables. Enfin, la difficulté sous le côté un peu anarchique des chantiers, c'est pas propre à Pomponne. Hein. Ils sont là, ils ont des objectifs. Les mecs qui viennent faire leur rotation au camion pour leur raconter tout ce que... C'est les sous-traitants. Ils bombardent, oui, on le sait. Mais on le sait, mais on sait que si on fait rien, voilà, et que si on... Et moi, c'était surtout de dire, voilà, dans ce que j'entends qu'il y a M. Tran qui est en vigilance sur ce sujet-là, les ASVP, voilà. La question des ASVP, c'est notre prochaine question. Le prochain départ de l'ASVP a-t-il un rapport avec la situation abordée après le conseil municipal du 21 septembre par les habitants de la résidence des Cornouillers, et quand sera-t-il remplacé ? Le départ de notre ASVP n'a aucun rapport avec une quelconque situation rencontrée par les Pomponnais, ni à la Coudraye, ni ailleurs. Au vu du projet qu'on vient de voir en cours de création d'un service de police pluricommunal, il nous a paru opportun de différer son remplacement dans l'attente de la mise en place effective de l'APM et du réexamen du besoin réel sur le territoire, d'autant plus qu'on a vu les montants qui étaient en jeu. Donc aujourd'hui, il reste une ASVP, pour ça comme ça, qui travaille déjà en binôme avec les ASVP de l'ANI, et donc nous travaillons dans le futur à pérenniser cette pratique efficace de manière officielle. Dans les remarques que vous avez faites, notamment sur la verbalisation avec les ASVP qui peuvent être vigilants sur un point ou sur un autre point, du coup ça va être une seule personne qui, quand elle ne sera pas là, ne sera pas remplacée. Non, parce que ce que je dis de manière pour l'instant non officielle, c'est qu'aujourd'hui, elle travaille avec les ASVP de l'ANI, et de la même manière, elle ne sera jamais toute seule. On visera à ce qu'elle ne soit jamais toute seule sur Pomponne. D'accord. Suivante, la numéro 6. Pouvez-vous faire un point d'avancement pour Pomponne par rapport au programme local de l'habitat révisé en novembre 2020? Alors, très bonne question, parce qu'on s'est aperçu que le programme de novembre 2020, il y avait des mises à jour qui avaient été mal faites ou pas faites. Donc aujourd'hui, c'est totalement incohérent. Il y a des choses qui sont comptées deux fois. On peut regarder. Toujours est-il qu'on va revenir vers eux et on vous fera une restitution sur une commission d'urbanisme dans un premier temps. Le Grimpé a toujours 157 logements. Par exemple, je prends des exemples. Hein. Et il y a un îlot de la gare dont on ne sait rien qui fait 150 logements, alors que sur l'îlot de la gare, si on considère que c'est celui de la Madeleine, il y a déjà des opérations de 107 logements et 44 plus 6 pour Chabanou, en l'occurrence, qui font en théorie 58 du reste. Donc, pour vous répondre de manière satisfaisante, on a besoin de revenir vers eux pour leur demander de refaire leurs calculs en mettant les mises à jour qui conviennent. Alors, j'entends, hein, et c'est vrai, puisque je me suis fait cette même réflexion, mais j'imaginais que sur un programme quinquennal, parce qu'en gros c'est 5-6 ans même, sur le, avec des objectifs de production qui étaient assignés, qui ont été calculés, enfin le PLH, il est riche dans les explications de comment on arrive au total de 275 logements, entre guillemets, sur la période attendue pour Pomponne. Voilà, il y a ce détail. Et je pensais qu'il était, entre guillemets, suivi, je ne dis pas toutes les semaines, tous les mois, mais au moins une fois par an, faire un bilan et de se dire, ben voilà, notre trajectoire, on est comment, puisque vous l'avez vous-même cité, le rapport au PLH. Donc, moi, je C'est-à-dire que du moment que le PLH bouge pas, après que leur mise à jour soit pas bonne, du moment qu'à un moment donné on passe une mise à jour qui soit correcte, nous on a aussi cette visibilité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 000 opérations qui germent tous les jours sur Pomponne. Donc j'entends, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été défini, acté, avec des objectifs de production, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sur Pomponne, à hauteur de 275 logements. En total, sur la période. Alors après, 500 logements à l'horizon 2030. À l'époque. Oui, mais sur la période du PLH. Sur la période, du PLH, objectif de production globale, tous logements confondus, 275.
dont logements sociaux locatifs, locatifs sociaux 96, dont privés location accession 179. Et dans ces 275, vous avez des programmes tels projet immobilier Chabanneau, futur Grimpé ou alors Jardin de Courtin. Ok, mais vous avez aussi tout le diffus, voilà, les quatre appartements qui se construisent en bas de la rue Berthelot, là, ça rentre dedans, quoi. Bien sûr. Et il y en a des constructions individuelles qui envoient rue Général Leclerc, là, il y en a. Donc tout ça fait un total de 275. Donc aujourd'hui, on peut avoir une idée, même si derrière les projets qui ont été cités, retenus, connus à l'époque. Pour construire ce PLH, il y a des choses qui ont bougé, et ça s'entend, mais l'objectif, il est assigné de 275. Il n'a pas bougé, il n'a pas été révisé, celui-là. Pour moi, s'il n'a pas été révisé, à un moment donné. Pour moi, il ne l'a pas été, en tout cas. Je suis preneur du document qui nous dit, moi, j'ai un PLH qui a été révisé en novembre 2020. Je prends ces données-là. Mais maintenant, si c'est un autre document, bien sûr que nous sommes intéressés pour avoir le PLH actualisé. Mais forcément, quand un PLH est pris sur plusieurs années, les données qui sont prises à l'année de sa décision, de sa validation, peuvent changer. Surtout, il peut se passer des tas de choses sur plusieurs surtout années. Surtout que ce sont nécessairement des points d'entrée pour les révisions de PLU, notamment. Voilà. Mais en tout cas, donc j'entends que nous aurons un point avec. Merci. Oui. Alors, question suivante. Pouvez-vous préciser le tracé envisagé de la liaison douce reliant la rue des Chênes à la rue du Général Leclerc comme défini dans l'OAP, Grimpé, et pourquoi son accès serait limité aux seuls résidents du projet? Alors, c'est une question qu'on a déjà posée en commission urbanisme d'ailleurs. Donc le tracé qui est porté sur l'OAP, qui est approuvé en conseil municipal du 10 juillet 2023, ça c'est le premier point, et donc la liaison douce qui irrigue l'ensemble du programme du site du Grimpé, depuis le cœur, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la zone A c'est on va dire en haut à gauche, en passant au nord de la zone B, qui restera une zone de loisirs en proximité de parking visiteurs, puis qui redescendra le zone de la zone B. Grosso modo, nous avons exposé cette sente lors de la réunion du 29 novembre, la réunion du Grimpé du 29 novembre dernier. Donc en fait, là où il y avait eu une interrogation, c'est que je crois que dans la mise à jour de plans substitutifs dans la constitution du permis de construire, ça n'avait pas été notifié, ou du moins à l'époque, il y avait des documents qui n'avaient pas été consultables. Sauf que comme de toute façon, ça faisait partie d'une remarque de la commissaire enquêtrice qui demandait à ce qu'il y ait une liaison qui aille de la rue la rue des Chênes jusqu'à la rue du Général Leclerc, pour approuver l'OAP, il fallait de toute façon satisfaire à cette demande. Donc, sur le PC, c'est une circulation pour les piétons et mode actif. Ce qu'on appelle mode actif, c'est propulsé par un piéton, donc c'est le vélo, la trottinette, etc. Ça, c'est pour le premier point. Et la deuxième partie de la question, c'est le promoteur titulaire du permis de construire l'a repris donc sur son plan basse en confortant un parcours sécurisé. Et aujourd'hui, ce projet en site privé a été présenté en réunion publique ouverte à l'ensemble des pomponnets le 29 novembre. Donc pour l'instant, c'est sur du site privé. Donc aujourd'hui, c'est la volonté du propriétaire du site, quand bien même il satisferait l'OAP, n'est pas d'ouvrir cette... totalement à la circulation autre que les habitants de cette opération. Il y a des sites privés, je pense à la résidence du Clos des Chênes par exemple, tout le monde passe en fait, même si c'est privé, ça n'empêche pas les gens qui vont de la rue des Chênes vers c'est un lotissement, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que là c'est un lotissement alors que là c'est une opération qui est fermée avec un parking visiteur, avec une partie, on va dire, extérieure et une partie qui fait tampon avec le domaine public, notamment les parkings visiteurs. Après, pour avoir discuté, par exemple, avec les gens qui habitent alentour, notamment pour aller à la gare, il n'y a pas une seule personne de l'allée des Noyers qui m'a dit vouloir emprunter cette sente-là pour aller jusqu'à la gare. Ils continueront d'emprunter la voie dont vous parliez.
Comme je sais pas, les gens qui veulent aller à la crêperie, au commerce, qui vont peut-être être... Ah, la crêperie, c'est direct, on est d'accord. Mais encore une fois, on n'interdira pas l'opérateur ou la copro, puisque ce sera une copro, d'ouvrir s'il le souhaite. Question suivante. Quelle piste avez-vous travaillé pour chercher le foncier nécessaire à la création d'un deuxième groupe scolaire pour le relogement des services techniques et quelles actions concrètes avez-vous réalisées pour trouver des solutions? D'après une étude qui est le bureau d'études Alphaville, réalisée pour Marne-et-Gondoire, qui date de septembre 2022, donc il y a une mise à jour de cette étude, la création d'un nouveau groupe scolaire n'est pas requise d'ici 2030. À l'époque, c'était un peu avant. Donc, par ailleurs, nous poursuivons forcément, puisque par une règle de trois assez basique, il suffit de voir qu'une ville accueille plus de population pour qu'il y ait un besoin qui s'en fasse ressentir. Nous poursuivons nos réflexions dans le cadre de la révision du PLU, bien évidemment, pour trouver les fonciers les plus appropriés et pour l'éventuel déménagement des services techniques et la création d'équipements scolaires. Sera interrogé forcément le périmètre PPENP, je pense, parce que ça c'est important. Et donc on engagera aussi les PPA associés à venir trouver une solution, parce qu'on pense que pour trouver une bonne solution, on ne doit pas être tout seul autour de la table. Voilà. Je soulève la question, est-ce qu'on a vraiment la volonté de faire un deuxième groupe scolaire ou pas? Parce que, enfin, ça, j'entends la réponse depuis déjà quelques temps, mais on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup sur le... Parce que si on veut trouver du foncier, il faut s'y atteler. Ah, le vrai outil, c'est véritablement le PLU, en l'occurrence. C'est véritablement le PLU. Pour résumer, l'histoire de Pomponne en ce moment, c'est... PLH moins PPENP égale densité, égale comment on accueille cette population sur finalement un territoire constructible qui est plutôt pas tellement étendu au regard des 717 hectares de la commune. Et donc nécessairement, à un moment donné, il va falloir dans notre PLU, mais c'est aussi l'objet des OAP qu'on travaille ensemble en commission d'urbanisme, de sanctuariser les espaces qui le nécessitent. Et de trouver notamment des endroits qui ne seraient pas trop loin de là où s'exprimera la densité future. Et alors, la question suivante. Pouvez-vous faire un point d'avancement sur les contentieux en urbanisme en cours, chemin d'Armoin? Bon, ça a déjà été évoqué lors du conseil précédent. Oui. Alors, en fait, il y a deux contentieux. On a fait une recherche cet après-midi. Donc, ce que j'ai à ma connaissance, c'est qu'il y a deux contentieux. Il y a un propriétaire qui n'habite plus dans la région et qui n'a pas donné suite ni à l'ordonnance du juge, ni à nos injonctions. Le procureur a donc été saisi à nouveau pour une mise en place des astreintes. Donc, c'est les sanctions financières et mise en œuvre de moyens supplémentaires. L'autre propriétaire affirme ne pas avoir reçu l'ordonnance du juge et s'est engagé il y a plusieurs semaines à réaliser les travaux demandés sous quinzaine. Je crois que rien n'a été fait. Donc le service urbaniste est extrêmement vigilant sur ce dossier et procédera à la saisie du procureur si la stagnation de ce sujet se vérifie. Et je crois que on va devoir déposer plainte aussi pour l'utilisation notamment de l'électricité. Là aussi, c'est un truc qui avance pas très vite, mais bon. Et puis, dernière question, quelle convention d'occupation du domaine public a été signée pour les travaux du projet immobilier et les jardins de Courtin? L'entreprise n'a pas d'autorisation d'occupation du domaine public et doit rester dans l'emprise de son chantier. Il y a eu des arrêtés réglementant les entrées et les sorties de chantier, et notamment la vitesse, ont été rédigés moyennant la garantie de la sécurité des piétons et des véhicules. Donc la police municipale est informée et vigilante sur ce secteur. Alors, vous faites certainement allusion à des bennes qui ont été implantées contre le mur, et elles ont été, en tout cas j'ai demandé qu'on les verbalise, alors j'ai pas forcément lu tous les bulletins de service, mais en l'occurrence notre DST est rentré en relation à maintes et maintes reprises et les bennes sont parties. Je vous remercie. Les questions sont éclusées. Je clôt le conseil municipal. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non.